Nova Luna est un jeu abstrait de pose de tuiles. Les joueurs doivent remplir des objectifs, en plaçant différentes couleurs, les unes à côté des autres. Nova Luna signifie nouvelle lune. Le plateau représente un cadran lunaire, composé de 24 cases et 12 espaces vides. Le pion lune est positionné au-dessus de la lune dorée, et les espaces restants sont complétés par des tuiles. Les tuiles sont composées de 1 à 4 cercles, et peuvent être rouges, bleues, jaunes ou turquoises. Dans Nova Luna, les joueurs ne jouent pas les uns après les autres. Le joueur actif est toujours celui dont le pion est le plus éloigné sur le cycle lunaire. Si plusieurs pions se trouvent sur la même case, le plus haut commence. Lors de son tour, le joueur a accès aux 3 tuiles qui suivent le pion lune. Il en choisit une et la place dans sa zone de jeu. La première est libre, mais les suivantes doivent être adjacentes à une tuile déjà présente. Le joueur avance son pion sur le cycle lunaire du nombre de cases indiquées en haut à gauche de sa tuile. Le pion lune est ensuite déplacé sur la zone où se trouvait sa tuile. S'il reste moins de 3 tuiles au début d'un tour, le joueur actif peut compléter le plateau s'il le souhaite. S'il ne reste plus aucune tuile, il est obligé de le faire. Les tuiles sont piochées au hasard et placées face visible sur les emplacements vides. Dans Nova Luna, chaque tuile propose 0 à 3 objectifs à réaliser. Chaque objectif correspond à une combinaison de couleurs à recréer sur les tuiles directement adjacentes. Si plusieurs tuiles de même couleur sont placées côte à côte, leur nombre est additionné. Cette subtilité permet de remplir plus facilement certains objectifs et de réaliser des combos. Lorsqu'un joueur valide un objectif, il place son pion sur le cercle correspondant. Le premier à en réaliser 20 gagne la partie. Pour conclure, Nova Luna reprend la mécanique de patchwork, mais épurée à l'extrême. Les joueurs doivent optimiser au mieux la pose de leurs tuiles pour valider leurs objectifs le plus rapidement possible. Les règles sont simples, mais le jeu demande une bonne dose de réflexion et d'anticipation.